Ainsi, le Conseil n'envoie qu'un seul cavalier, même dans le passé. Non, c'est une visite personnelle. D'ailleurs, personne ne sait que tu es là. Effectivement. Donnez-moi la clé et ça sera notre petit secret. Pitoyable. Vous n'êtes tous que de pâles copies. Absalom était infiniment plus puissant que vous autres. Vous verrez que je suis assez fort, Samael. Oh. Oui. Tu as surmonté de très nombreuses épreuves pour arriver jusqu'à moi. Mais parfois, le héros meurt à la fin. Demande à ton frère. Me donnerez-vous la clé, ou dois-je venir la prendre? Allons, tu connais déjà la réponse. Thank you.
innocent. Tu as peut-être une chance après tout. En tout cas, il va y avoir du spectacle. Le cheval ne passera pas. Salut Tess, je t'en prie, jette un œil. J'avais ça, je veux... Je sais que tu en prendras soin.
J'ai la clé, vieux Corbin. Alors le puits des âmes t'est enfin ouvert. Mais je te préviens, tu t'engages sur une voie sans retour. Après tout ce chemin, plus question de reculer. Prends garde, cavalier. Une sombre présence garde le puits, et les graines de la corruption s'agitent autour. Le puits est corrompu? Oui. Mais pas par l'une de ces créatures sans nom que tu as rencontrées. Non, la corruption s'est choisie un champion, un héros magnifique dont la voix résonne. Alors je vais mettre fin à tout ça, définitivement. N'oublie pas ce que tu as appris, cavalier. La corruption est la fin de tout, même de la mort. L'arbre, les clés, le puits. Vous me mettez à l'épreuve, n'est-ce pas? Tu le fais toi-même. Pour ce que tu as fait, ce que tu as dû faire. Et maintenant, l'ultime épreuve t'attend. Apporteras-tu la mort ou la vie? Tess, ne t'es-tu jamais demandé pourquoi, contrairement aux autres, la corruption n'avait aucune influence sur toi? Serait-ce parce que la trahison a déjà noirci ton âme? Comment peux-tu vaincre ce qui gronde dans ton propre cœur? Tu ne peux pas m'arrêter sans te damner à jamais! Je vais prendre le risque. Te dépasse.
Bâle. Face au puits des âmes, sans aucune idée de ce que je dois faire. C'est à la fois simple et très compliqué. Épargnez-moi vos énigmes, vieux Corbin. Le pouvoir du puits peut restaurer le royaume des hommes, ou ramener les Néphilim à la vie. Mais sache que choisir l'un condamnera l'autre à jamais. Frère War, sa rédemption passe avant tout. Ramener l'homme sur Terre exigera un sacrifice.
Ainsi, la mort donna la vie, et les graines de l'humanité furent replantées. Mais d'autres épreuves attendaient Tess. Sur la Terre, son frère War avait vaincu le Destructeur. Qui sera traqué ? Par la Cité Blanche ? Par le Conseil ? Et par beaucoup d'autres ? Tu comptes mener cette guerre seul ? Non. Pas seul. Il avait brisé le septième sceau, invoquant les cavaliers de l'Apocalypse. Et ces cavaliers seront toujours au nombre de 4.
les seuls, Lilith? Où sont mes Néphilim? Mon prince, je... La guerre ultime est sur nous. Mais au lieu de l'armée que tu m'avais promise, Death a restauré l'humanité. J'attends mon châtiment. Cette fois, Lilith, tu n'en tireras aucun plaisir.